ce qui va arriver dans nos vies après ce séminaire. Si quelqu'un dit amen, ça va arriver dans sa vie. Aïe, 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 aïe. Acclame Jésus. Ce qui va arriver dans nos vies après ce séminaire. Et sur un mi-moré, sur un mi-malaké, sur un mi-malaké, et tu vas remis ma soron, sur un mi-molé, sur un. Et passe le tableau. Sur un mi-moré, votre l'eau, Adonai malou, c'est le barat, et j'en ai mis malou, sera, et sur un mi-maloké. Devaro maro, devera mi murabano, e suru mi fran, ancora maro farin. Jésus revient. Nous t'acclamons, nous t'accueillons au milieu de nous. Chéri, mon chéri, ayoume longa, ché barami, no sera vendo, ché la mi morevo. Et on va acclamer comme ça, ça.
Voilà, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. J'espère que votre journée s'est bien passée. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et pour partager ce moment extraordinaire. Surtout que nous sommes, comme vous le savez déjà, en train de préparer quelque chose de fort. Quelque chose de fort. Quelque chose de puissant. Le grand événement cette semaine à Paris. Pour l'Europe, c'est la nuit de la turbulence prophétique, la seconde édition. Donc ce sera au niveau de Villabé. Pour ceux qui ne le savaient pas, ce sera Villabé au niveau de... au 20 avenue de Courtes et Plus. Voilà, 20 avenue de Courtes et Plus, 9100 Villabé, dans la salle de fête appelée la Lune d'Or. On sera là-bas ce vendredi. À partir de 21h jusqu'à 5h du matin, nous serons là pour tous ceux qui sont amoureux de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous serons ensemble. Dans tous les cas, cette nuit nous réserve beaucoup de grandes surprises, beaucoup de bénédictions, beaucoup d'élévations et de dons de Dieu. S'il vous plaît, envoyons les cœurs et les pouces bleus. Envoyons les cœurs et les pouces bleus et partageons la vidéo. On a perdu sur cette plateforme l'habitude de partager les vidéos. Et ça, c'est un manque à gagner énorme. C'est sérieux. On a perdu cette habitude-là. Donc, s'il vous plaît, partageons la vidéo et bienvenue dans la Rema Facebook Church. Facebook Church. Que Dieu te bénisse. Donc, l'Europe connaîtra une nuit qui marquera les vies, qui marquera les familles, qui marquera l'histoire de beaucoup de personnes, l'histoire de ceux qui prendront la peine d'être présents. J'ai toujours l'habitude de dire que les prophètes sont des flèches dans les carquois de Dieu. Lorsque Dieu enlève un prophète, il le lance comme ça, c'est des traits enflammés de la part de l'Éternel pour apporter la vengeance, la restauration, la délivrance, la guérison sur le plan holistique dans tous les domaines de notre vie. Donc, abonnons-nous aussi à la page, partageons la vidéo, envoyons les cœurs et les pouces bleus, que chacun soit actif dans sa participation et que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. Donc merci déjà à tous ceux qui nous ont fait confiance jusqu'ici, qui ont toujours assisté au grand programme que le Saint-Esprit a organisé par les vermisseaux que je suis. Dans tous les cas, ce sera une nuit de consultation prophétique, d'orientation prophétique, de déclaration prophétique, de haute tension prophétique, une nuit de turbulence prophétique. Lorsque Dieu envoie un prophète, c'est pour apporter une délivrance que l'on n'a pas pu apporter dans la vie d'une famille ou bien d'un individu ou bien d'une nation. Donc, nous connaissons déjà la redoutabilité des prophètes dans les Saintes Écritures. Ça, ce n'est plus à expliquer ou bien à démontrer. Nous le connaissons déjà. Et vous savez que les prophètes, l'arme la plus puissante qu'ils possèdent, c'est la parole de leur bouche. C'est la parole de leur bouche. C'est important de le savoir. Donc, nous serons là ce vendredi à partir de 21h, vendredi 21h jusqu'à 5h du matin. Mais à partir de 17h déjà au niveau de Villabé, la gare de Villabé, il y aura des navettes, des bus qui vont porter les gens pour les amener au niveau de la salle gratuitement. Et dimanche, après la nuit de la turbulence prophétique, dimanche, le 4 février, nous aurons le premier culte de consécration des familles, le culte familial en Europe. Vous savez, c'est l'un des événements, parmi les événements les plus sacrés dans mon ministère, dans la vision et la vocation que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée. Rappelez aux familles que l'Éternel est leur Dieu. Rappelez à nos enfants que l'Éternel est leur Dieu, que dans ce monde-ci, ils n'ont pas à suivre les idoles, les dieux qu'adorent, les païens, mais que Jésus-Christ est notre Dieu et c'est à lui que notre adoration va. Et donc, nous venons avec tous nos enfants, toutes nos familles, pour dire au Seigneur Jésus-Christ que nous l'aimons et qu'il est notre Dieu.
d'après ce que la parole dit elle-même, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons-la. Et j'ai promis, par la grâce du Seigneur Jésus, d'ailleurs, dimanche, le culte commence à partir de 10h, toujours à la Lune d'Or, à Villabé, au 20 avenue des Côtes des Épluches, 1100 Villabé. Donc, ce sera là-bas le culte familial. Prépare-toi. Mets de vêtements de fête. Ne t'habille pas en guenille ou bien en haillon. Parce que c'est prophétique, en fait. Et vous savez, lorsque vous arrivez dans une atmosphère prophétique, il faut écouter et mettre en application les instructions et orientations prophétiques qui sont données. De chaque parole qui sort de ma bouche, il faut la prendre très, très au sérieux. Donc, revêt-toi de tes vêtements de fête. Mets des habits de fête pour toi, pour tes enfants, pour ton mari et venez. Chaque famille sera ointe devant Dieu avec lui de faveur. Chacun sera oint. Cette année, il n'est pas question que tu échoues. Peu importe les autels que le diable peut multiplier devant toi, nous allons détruire cela. On va gâter les plans de tes ennemis contre ta vie, contre ton présent et contre ton futur. Nous allons travailler avec puissance, avec audace, avec autorité. Et je vais déclarer par le manteau que le Seigneur m'a donné, par la vertu de l'alliance que je porte, cette alliance qui est redoutable dans ma génération, cette alliance qui a libéré beaucoup de familles, cette alliance qui a apporté beaucoup de délivrance, de bonheur, de restauration et de guérison. Vous vous souvenez, il y a une vidéo qui est sur ma page, c'était dimanche surpassé, je pense. Alors, il y a une jeune dame qui est venue à l'église, elle allait à l'hôpital, on a trouvé les crabes, un animal qui bouchait ses trompes. Elle arrivait à l'église et nous étions ahuris, on était dépassés, époumonés, époustouflés. Comment on peut voir les crabes dans les trompes de quelqu'un? Les crabes font quoi là-bas? Qu'est-ce que les crabes cherchent dans les trompes de quelqu'un? Et la radio montrait cet animal-là, maléfique. Le médecin a dit à la dame que, mais, il y a un crabe qui est en train de boucher vos trompes. Et ils étaient en train de réfléchir comment ils devraient opérer la femme. Oh, vous savez que les batailles spirituelles ne se résolvent pas avec les moyens physiques. Non, non. L'hôpital ne peut pas guérir une personne d'une maladie mystique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. S'il vous plaît, partageons la vidéo. Je vous en prie. Partageons la vidéo. Parce que là, on n'a même pas atteint 300 personnes. Et ça, c'est très, très, très médiocre. Donc, elle a eu la présence d'esprit de venir rencontrer le prophète et de dire au prophète, voici le problème. Elle a consulté l'Éternel. Et puis, j'ai prié sur elle, je lui ai demandé de retourner le lendemain, refaire l'examen. Elle allait faire l'examen. Et puis, on a trouvé le docteur, celui qui avait fait le laboratoire, je pense, lui a demandé, qui avait fait l'examen la première fois, lui a demandé, attendez, mais où est passé le crabe qui était sur votre trompe? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit qu'elle était à l'église et on a prié sur elle. Elle est revenue. Et donc, le médecin a été dépassé. Ouais. Donc, ça montre simplement qu'il y a des gens qui souffrent de beaucoup de maux dans leur vie, mais ne savent pas que l'origine est spirituelle et démoniaque. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas qu'il y a la main de Satan derrière. Il y a la sorcellerie qui agit. En sorte que même les radiologues ont découvert les crabes dans les trompes de cette femme. Peut-être vous êtes une femme, vous n'arrivez pas à enfanter. Peut-être vous aussi, c'est une animation qu'on appelle les animaux totémiques, en fait. Peut-être c'est un animal totémique qui est en train de boucher votre trompe, vous ne le savez pas. Tu n'arrives pas à te marier, tu ne comprends pas pourquoi. Voilà pourquoi j'ai expliqué que nous allons attaquer les hôtels familiaux cette semaine jusqu'à la nuit de prière, jusqu'au culte. Je suis là pour la délivrance des familles, la restauration des familles. Et il faut préparer les gens spirituellement et dans tous les autres domaines. Le culte des familles, c'est le moment de consécration à l'Éternel. Ça veut dire que nous venons devant Dieu, nous nous présentons, chacun aura sa bouteille de ointe pour la délivrance. Et puis, chacun doit avoir sa bouteille d'huile de faveur pour la prière. Et chaque famille avait son offrande de famille, de consécration de famille devant l'Éternel, selon ce qui est dit. Et l'on se présentera point devant ma face, les mains vides. Et donc, nous mettons la parole de Dieu en pratique telle qu'elle elle est écrite. Et puis voilà, nous allons prier pour la délivrance des familles et tout le monde sera oint. Peu importe les hôtels familiaux, les malédictions familiales, peu importe les plans de Satan contre cette année 2024, nous allons prier d'un commun accord et Dieu manifestera sa gloire. Jésus-Christ a dit dans sa parole, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Voilà, donc c'est ça.
Demandez jusqu'à recevoir, afin que votre joie soit parfaite. Que Dieu rende ta joie parfaite pendant cette nuit de prière. À partir de maintenant, chacun doit préparer cette nuit de prière. Tu ne te lèves pas comme si tu allais en balade, comme si tu allais pour une excursion. Non. Tu dois prier à la maison. Dis, Seigneur, révèle mon cas à ton serviteur, le prophète. Parle-moi à travers ton serviteur. Si ta prière est sincère chez toi, la parole de l'Éternel me sera adressée pour toi. Ça, c'est clair. Cette année, tu ne peux pas échouer. Nous refusons l'échec. Tu ne peux pas échouer. Peu importe les expériences de 2023, vraiment, bien-aimé, cette année-ci, tiens Dieu fortement. Tiens-le fermement. Et dis-toi, je ne peux pas accepter échouer cette année. Les erreurs de 2023 ne seront pas mon partage cette année. Dieu fera quelque chose d'extraordinaire dans ma vie et je marquerai ma génération. Donc, si c'est ça ta prière, il en sera ainsi. Donc, nous nous préparons à la maison, nous préparons nos enfants à venir pour ce grand événement et je sais que la main de Dieu sera puissante au milieu de nous. Les gens viendront de partout. Et si tu hésitais encore, vraiment, l'Esprit de Dieu te parle à travers ma modeste voix. Ne reste pas, ne laisse pas l'occasion s'y traverser. D'autant plus que ces événements, ils sont fondamentaux pour la suite de notre année. Pourquoi? Parce que le culte des familles, c'est la première édition en Europe. Donc c'est très fort. C'est la toute première édition en Europe. Ne manque pas ça. Ne manque pas de te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, cette année. Et Dieu te donnera la possession des 12 portes des 12 mois de 2024. Et le thème de ce programme, c'est Seigneur, fais briller mon étoile. Dieu doit faire briller ton étoile. Dieu doit faire briller ton étoile. Ah, il y a le match. Il y a un match. Ok, d'accord. En fait, aujourd'hui, là, je ne peux pas attendre la fin du match, mon ami. Mes amis, on doit choisir. Chacun doit choisir ce qui est plus important dans sa vie pour sa vie. La liberté de choisir. Donc, nous devons comprendre que cette année, c'est toi qui décides, c'est toi qui dis que l'année, si je vais réaliser des choses que j'ai jamais réalisées, que personne dans ma famille n'a jamais réalisées. C'est ton engagement, c'est ton vœu. Si tu le fais de tout ton cœur et tu associes Dieu à toi, tu réussiras. Donc, quand Dieu fait qu'il t'aime prophète de l'Afrique, il vient jusqu'ici. Et puis toi, tu es ici en Europe, tu n'arrives pas à te déplacer pour venir. Mais là, il y a un problème sérieux, mon ami. C'est qu'il y a un sérieux problème. Donc, que Dieu nous aide à prendre conscience au nom souverain de Jésus. Je répète, et méfiez-vous des arnaqueurs qui vont vous écrire, qui vont vous écrire sur ma page, sur mes directs, mes lives. Ça, c'est ma page. Il y a des numéros que je donne sur ma page. Ce sont ces numéros qu'on utilise. Donc, faites attention aux arnaqueurs. Et si les gens vous écrivent pour demander de l'argent, vous envoyer des prophéties, en fait, quand quelqu'un qui n'est pas moi vous écrit normalement, lorsque vous avez du discernement, vous comprendrez que ça, ce n'est pas le prophète de Canaan. Faut faire attention, vous voyez. Donc, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Méfiez-vous des arnaqueurs. Mon compte, actuellement, il y a 280 000 abonnés. Donc, tout compte qui n'a pas 280 000 abonnés, ce n'est pas moi, c'est un faux compte. Et il faut comprendre que, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, regardez où vous êtes abonné et puis désabonnez-vous si ce n'est pas ma page. Et venez vous abonner à la vraie page. Il y a des fausses pages qui ont plus de 50 000 abonnés. Vraiment, c'est terrible, mes amis. Plus de 50 000 abonnés, des fausses pages. Les gens sont abonnés là-bas, ils pensent que c'est le prophète Carlo Ferdinand et on les arnaque. Quelqu'un vous demande l'argent, ce n'est pas moi, c'est des bandits. Quelqu'un vous écrit, vous demandez l'argent, vous proposez d'acheter quelque chose. On vous dit que moi je le fais, mais entre nous, mes amis. Faites attention, mes amis. Donc, cette année, ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Il faut que ton étoile brille. Bien. J'ai un message que je vais passer rapidement. Et je souhaiterais, vraiment, je souhaiterais que si tu connais un homme de Dieu, que tu puisses le taguer. Un homme de Dieu que tu connais, il faut le taguer. Un pasteur ou un fils de prophète, il faut le taguer. Les fils de prophète, ils sont où? Ceux qui sont l'espoir de l'église de demain. Ceux à qui Dieu donne la responsabilité de l'église de demain. Parce que chaque génération se lève et part. Chaque génération vient et elle part. Alors, je voudrais vous dire quelque chose, mes amis. Il y a quelque chose, je devrais parler sur ça hier. Vous savez que ce soir, je devrais parler sur la destruction des hôtels familiaux. Mais il y a ce message que je devrais dire depuis hier, mais je n'ai pas pu avoir l'occasion de le faire. Je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant. Et comme je le fais maintenant, demain, on va commencer à 10 h parce qu'on a deux directs par jour. On a le direct de 10 h et le direct de 21 h le soir. Donc, nous allons commencer la prière pour les hôtels, contre les hôtels familiaux à partir de demain 10 h.
Déjà, vous donnez le sujet de prière. On va prier ensemble. Alors, bien-aimés, il faut comprendre que, oh, Gorazawa Anasraï, il faut comprendre que lorsqu'on parle d'être un fils de prophète, et c'est une grosse responsabilité. Et la paternité spirituelle ne se fait pas au hasard. Non, elle ne se fait pas au hasard. Il faut que les gens comprennent cela. Oh, tel est mon père, tel est mon père. Il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont avides de père, de paternité spirituelle. C'est-à-dire, ils changent les pères spirituels comme on change les vêtements. Ils changent les pères spirituels comme on change les chaussures. Comme on change le menu dans un restaurant. Même dans un restaurant, il y a plusieurs qui arrivent et disent tous les fois la même chose. Donc, il faut faire attention, mes amis. On ne devient pas le fils de quelqu'un parce qu'on voit la gloire que la personne a, ou bien on voit le succès de la personne. Parce que ça, c'est la première erreur que les fils de prophètes dans ma génération commettent. Ils cherchent les pères à succès. Ils cherchent les hommes de Dieu à succès pour s'identifier à eux. Parce qu'ils tirent une certaine gloire quand ils vont dire que ça, c'est mon père. On va les respecter. Quand ils vont dire ça, c'est mon père, on aura du crédit, leur ministère aura du crédit parce que tel homme de Dieu a accepté d'être leur père. Je pense que cette année, je ne vais pas accepter de filiation en désordre. Non, non. Avant que quelqu'un vienne me voir pour dire, oh papa, je veux que vous soyez mon père spirituel, mon mentor, vraiment, je veux lui demander d'aller encore prier. Moi, mais je veux prier avant d'accepter. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de fils de prophètes sont des aventuriers. C'est des gens qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune substance, aucune consistance spirituelle. Ils n'ont aucun fondement, aucune fondation convictionnelle. Ça veut dire qu'ils cherchent la gloire plutôt qu'une formation profonde qui leur donnera d'être demain des pionniers dans l'Église. Donc, il faut faire attention. À partir de ce moment, un père qui connaît ces choses-là n'acceptera pas n'importe qui comme son fils. Parce qu'il y a des fils qui donnent la honte. Il y a des fils qui donnent la honte à leur père. Il y a des enfants à qui il ne faut pas s'identifier. Il y a des enfants qui, quand il vient là, il te dit que je veux que vous soyez mon père, il faut refuser. Il faut refuser. Et il me souvient, une fois, je pense que j'ai eu à raconter cette histoire-là, cette anecdote, où un groupe de jeunes hommes de Dieu est venu me rencontrer. Et puis, ils voulaient la paternité, ils voulaient que je sois leur mentor. Ils voulaient s'associer à moi, ils voulaient s'identifier à moi, ils voulaient que je m'identifie aussi à eux publiquement. Je les ai reçus chez moi à la maison, dans mon salon. Et je leur ai dit, ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas, pourquoi? Parce que toi, je sais quel mal tu dis de moi. Je sais, ça me revient en fait. Je sais, toi, tu as dit telle chose sur moi. Et toi, tu avais dit telle chose sur moi. Tu as raconté telle chose contre ma personne. Et comment veux-tu aujourd'hui venir me demander d'être ton père? Ça n'a aucun sens, en fait. Je ne peux pas. Et de deux, vous faites des choses qui sont une honte pour le Saint-Ministère. Je le dis, toi, par exemple, je sais que dans ton église, quand tu as des enfants, quand les brebis arrivent, tu leur demandes de soutirer les scènes ou les passeports des sacs des gens. Quand ils réussissent à le faire, ils t'apportent ça dans ton bureau. Et quand ils apportent dans ton bureau, tu mets ça dans ta chaussure. Quand tu sors, tu dis, la prophétie, il y a une femme ici qui a perdu son passeport. Que chacun fouille son passeport. Maintenant, les gens vont fouiller et puis se rendre compte que, ah oui, oui, le passeport a été perdu. Oh, mon passeport, je suis venu avec. Et puis tu dis, bon, est-ce que je peux faire apparaître ton passeport? Les gens disent, oui, major, prophète, oh, major, major, major. Et puis, tu dis, ok, allez ma chaussure, tu vas trouver ton passeport. On a la chaussure, on trouve le passeport. Et ça, c'est du banditisme ministériel. C'est du banditisme spirituel. Je ne veux pas m'identifier à ça. Et je lui ai dit, ils m'ont aussi été rapportés. Et par des gens qui étaient proches de toi. Et ça, tu ne peux pas le nier. Que quand tu vas prier sur les gens, tu envoies tes enfants d'abord aller enterrer les gris-gris là-bas. Tu attaches des choses là, ils vont enterrer. Quand tu arrives, là, tu prophétises à l'église. Tu prophétises à l'église, tu pars d'avoir la maison de la personne. Maintenant, quand la personne revient à l'église, tu peux dire que dans ta maison, tel endroit, il y a les gris-gris. Tu dis, ok, allez, allons-y maintenant, vous saurez si je suis un vrai prophète ou si je ne suis pas un vrai prophète. Et c'est comme ça que tu prends les gens et la personne, vous arrivez, on creuse. Tout homme de Dieu qui fait le ministère avec le faux sera démasqué. Ton ministère va tomber. Ça, il faut que les gens le comprennent. Tous ceux qui associent un feu étranger au feu de Dieu, leur ministère tombera et ils seront exposés. Ça, il faut que chacun écrive ça dans son agenda. Et je répète, il y a un principe dans le ministère, le principe qu'on appelle le principe du feu étranger.
C'est quoi le principe du feu étranger? C'est lorsqu'on mélange le faux avec Dieu, lorsqu'on apporte ce que Dieu ne nous a pas donné, lorsqu'on apporte nos moyens dans les moyens de Dieu, lorsqu'on apporte notre sagesse dans la sagesse de Dieu, lorsqu'on apporte notre apport dans l'apport de Dieu. Là, c'est le feu étranger. Et dans le principe ministériel du feu étranger, Dieu a dit à Moïse et à Aaron que personne, lorsque vous entrez dans le temple, le feu qui doit être utilisé dans le temple, c'est le feu du temple. N'apportez jamais un feu de l'extérieur. Ça, on appelle ça le feu étranger. Si un sacrificateur apporte le feu de l'extérieur, que la Bible appelle le feu étranger, pour venir allumer la lampe de l'Éternel avec éclairer la maison de l'Éternel, la Bible dit que ce sacrificateur était puni de mort. Et c'est pour cela que vous verrez que Aaron a perdu des fils. Parce qu'un jeune de ses fils a apporté le feu étranger. Il a apporté un feu qui ne venait pas du temple, que Dieu ne connaissait pas, et le Seigneur l'a tué. Donc tout homme de Dieu qui apporte le faux, qui falsifie les prophéties, qui fait des montages dans le ministère, et il sera exposé, sa fin sera triste. Elle sera malheureuse, elle sera misérable, parce que Dieu ne joue pas avec sa gloire. Je ne donnerai point ma gloire ni mon honneur aux idoles. Donc il faut que nous connaissions que Dieu est un Dieu jaloux. Il dit jaloux est mon nom. Donc ne joue pas le ministère, ce n'est pas les jeux. Donc je leur ai dit que je ne peux pas m'identifier à vous parce que vous êtes la honte du Saint ministère, du Saint sacerdoce. C'est ça en fait. Et puis, il voulait même que je célèbre son mariage. J'ai dit, je ne peux pas célébrer votre mariage. Ce n'est pas possible, mes amis. Je ne m'associe pas à la saleté. Je ne m'associe pas à ce qui est faux. Et donc, je leur ai dit de partir. Et ils sont partis. Et ils ne sont plus jamais revenus. Vous voyez. Donc, il faut faire attention. Donc, ce qui tue, qui va tuer la jeune génération aujourd'hui, c'est la recherche de la gloire. Parce que beaucoup de jeunes hommes de Dieu qui regardent les pères aujourd'hui, en fait, ne cherchent pas le salut des âmes ou l'accomplissement du but de Dieu dans leur vie. Non, c'est pas ça. Malheureusement, la plupart veulent la gloire. Ils veulent atteindre la gloire que les parents ont. Ils veulent atteindre la gloire que les parents ont. Et c'est ce que j'appelle l'esprit de Géasi. C'est ça qu'on appelle l'esprit, que j'appelle l'esprit de Géasi. Donc, bien aimé, il faut faire attention. Pardon. Il faut faire attention à l'esprit de Géasi. C'est quoi l'esprit de Géasi? Lisons 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 20. Lorsque le général Naaman est venu vers le prophète Élisée, il a apporté tellement de cadeaux, beaucoup de biens, il a apporté des richesses, il a apporté de l'argent, de l'or, certainement l'encens, des vêtements, des choses précieuses, des choses d'une valeur royale et de la noblesse. Alors Élisée, le prophète Élisée a refusé de toucher à cela. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman. C'est-à-dire mon maître, mon père spirituel a eu pitié de Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Vous voyez, le général va descendre de son char par respect pour Élisée. C'est-à-dire que Géasi est respecté à cause du nom de son père. Il a des avantages à cause du nom de son père. Un général descend de sa voiture, vient faire des courbettes devant lui à cause de ce qu'il est le fils de telle personne. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de fils aujourd'hui. Et la gloire qu'ils tirent de la gloire de certains hommes de Dieu qui ont quand même réussi dans le ministère à réaliser quelque chose, a écrit une histoire qui restera pour les générations et dont l'écho traversera les temps. Vous voyez. Donc, il est respecté pour ça. Et c'est ça que certains jeunes hommes de Dieu cherchent dans cette génération. Tel homme de Dieu, dès qu'il trouve un homme de Dieu, un nouveau homme de Dieu, une nouvelle sortie là. Bam! C'est lui mon père maintenant. Après, dès qu'un autre homme de Dieu sort, qui est plus célèbre que celui-ci, bam! C'est vers lui. Tu vois que sur Facebook, le gars change de père, comment changer de père de chaussures? Aujourd'hui, c'est tel son père spirituel. Après, demain, c'est le père spirituel là-bas. C'est notre père spirituel qui vous présente. Mon ami, on ne change pas de père spirituel comme les habits.
Un père spirituel, on l'a par révélation et non pas par émotion. Je répète, un père spirituel, on l'a par révélation et non par émotion. Non. Un père spirituel, c'est Dieu qui te dit, voilà ton père. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe des arbres généalogiques. Le principe des arbres généalogiques. Il faut faire attention. Donc, pour que tu aies un père, tu dois être sûr que vous avez le même arbre généalogique. Quand il dit par exemple Matthieu chapitre 1, verset 1 à 2, il dit Biblos Genesios Iesu Christou, ou you David, ou you Abraham. Hein? Il dit Biblos Genesios Iesu Christou, ou you David, ou you Abraham. Il dit Abraham de Genesen ton Isaac, Isaac de Genesen ton Jacob, Jacob de Genesen ton Judan Kaitu Adelphus Autus. Il dit livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David, fils d'Abraham. Ben, on ne dit pas fils de Josué, ou on ne dit pas fils de Moïse, on ne dit pas fils du prophète Ésaïe, non, on ne dit pas fils d'Ézéchiel, non, il dit Bible de la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Donc, il a une paternité, il a une lignée, une traçabilité filiale, il a une traçabilité généalogique qui tourne et caracole autour des pères qui sont dans sa lignée et qui ont contribué à son engendrement spirituel et ministériel. C'est David, c'est Abraham, c'est pas Ézéchiel. Quoi que Ézéchiel soit puissant, c'est pas Ésaïe. Quoi que Ésaïe ait marqué sa génération, c'est même pas Moïse. Quoi que Moïse était l'un des plus grands prophètes en Israël, mais Jésus demeure et reste le père, le fils d'Abraham et de David. Il ne change pas, il dit, ah non, Moïse était plus grand qu'Abraham et donc c'est lui. Ah non, 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 non. Jésus-Christ est resté fidèle et loyal. Donc la paternité respecte la généalogie. Tu choisis, tu vas vers un père que Dieu t'a montré parce que vous avez le même ADN spirituel. Vous appartenez au même arbre généalogique. Même si vous êtes un prophète, c'est pas n'importe qui devient votre père. Non, parce que dans les prophètes, on a trois grandes familles de prophètes selon 1 Chronique 29, verset 29. On a les prophètes Rohé, on a les prophètes Hosé et les Nébi. Donc un prophète Nébi ne peut pas avoir pour père spirituel un Rohé. Un Rohé ne peut pas avoir pour père spirituel un Hosé. Parce qu'ils ne vont pas se comprendre. Ils sont tous prophètes, mais ils n'ont pas la même généalogie, ils n'ont pas la même descendance généalogique. Ils n'ont pas la même traçabilité spirituelle. À moins que ton père ne soit en même temps Hosé, qu'il soit Rohé et qu'il soit Nébi. Alors là, si tu es Rohé, tu peux l'avoir pour père. Si tu es Hosé, tu peux l'avoir pour père. Ou bien si tu es Nébi, tu peux l'avoir pour père. Donc la paternité, ce n'est pas une histoire de commodité, de conformisme, de conformité, ou bien d'exhibitionnisme. Non, ce n'est pas ça en fait. C'est une affaire sérieuse. Tu ne dis pas que ça c'est mon père, ça c'est mon père, ça c'est mon père, sans même comprendre ce que c'est qu'un père spirituel. Et donc l'esprit de Géasi est ce qui anime beaucoup de jeunes dans ma génération aujourd'hui, beaucoup de jeunes prophètes. Voilà pourquoi les gars viennent dans le ministère en aventurier, ils ne comprennent pas les contours du ministère, ils ne comprennent pas les ziggourats du ministère, et donc à la fin, ils sont dans la confusion. Ils sont vagabonds, ils deviennent des SDF ministériels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le ministère, en fait, ses lois et ses principes. Donc ici, Géasi va suivre le général Naaman, et il va prendre de lui ce que son père a refusé. Ça, c'est une grave erreur déjà. Jésus-Christ, pour montrer la loyauté à la filiation, dira, le fils ne fait rien sans le père. Le fils fait ce qu'il voit faire au père. Le fils voit ce qu'il voit faire au père. Donc, un fils loyal fait comme son père. Il ne fait pas plus que son père. Il fait comme son père. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Donc un fils imite le Père, il ne dépasse pas le Père. Non, 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 non. Il ne dépasse pas le Père. Il n'invente pas ce que le Père ne lui a pas enseigné. Il faut comprendre cela. Un fils peut définir, il peut avoir plus d'espoir que son Père, mais il sera jamais plus grand que son Père. C'est ça en fait. Et je me souviens qu'un jour, parmi les fils que j'ai eu en tant que pasteur, vous savez qu'aujourd'hui, ça fait longtemps, ça fait des années que je n'ai plus ordonné. J'ai plus ordonné les pasteurs. Ah non, non, ça sera maintenant très compliqué. À moins que Dieu ne me dise en vision, va et ordonne. Ça sera très compliqué. Parce qu'il faut le test de la loyauté. Parfois, nous sommes très précipitatifs et hâtifs. En ce qui concerne, oindre les fiches
et les élever au rang de pasteur et tout. Et on élève des immatures, on élève des enfants qui deviennent un danger pour nous-mêmes d'abord, un danger pour l'Église. Tu ne peux pas libérer quelqu'un, oindre quelqu'un, établir quelqu'un, sans être sûr de sa fondation, sans être sûr qu'il ne soit pas une menace demain pour toi ou bien pour l'Église. Alors j'ai eu des jeunes hommes de Dieu parmi mes fils, avec qui finalement on s'est séparés. Pourquoi? Parce que, par exemple, un autre, il a posé des actes prophétiques que moi je n'avais jamais posés. Ça veut dire que l'enfant a fait un culte de fleurs, un service de fleurs. Ouais. Je l'ai appelé, je lui ai dit, ah non, écoute, ça c'est dangereux. Tu ne peux pas venir, il dit, le fils voit ce qu'il voit faire au père, fait ce qu'il voit faire au père. Ce que je fais, tu vois et tu fais. Tu m'imites. C'est pas que toi tu viens inventer ta part. Mais là, ça devient dangereux en fait. Ça fait qu'il y a deux têtes. Il y a deux têtes. Ouais. Donc, et l'autre, il a fait un service où il a demandé aux gens de venir avec les marmites à l'église. À venir avec le riz, les marmites et tout ça. Et les gens portaient les marmites de nourriture à l'église. Je l'ai enlevé de l'assemblée. Là, je lui ai dit, mais tu deviens danger. Un fils doit faire ce qu'il va faire à son père. Va faire son père. C'est ça en fait. Donc, il y a des petites marques là qui montrent que l'enfant est loyal ou bien qu'il est déloyal. Fais attention. Un jour, je suis allé, c'était au Burkina Faso, j'étais avec l'un de mes fils. Et puis mon fils là, je lui ai donné, je lui ai dit, ok, comme avant que je l'arrive, va et prêche. Rends ministère le temps que j'arrive. Il est arrivé, il y avait des milliers de personnes. Il a harangué les foules. C'était extraordinaire mes amis, c'était puissant. L'enfant prêchait avec autorité. Je suis arrivé, il voyait comment je bougeais la tête comme ça. Et il s'est dit que le message était puissant, qu'il était pénétrant. Mais il ne savait pas que je bougeais la tête parce que je me disais que attends mon ami. Donc tu veux hériter de moi pendant que je suis vivant. Là, tu veux prendre le trône pendant que je suis vivant. L'enfant prêchait en disant aux gens que par le manteau de Dieu dans ma vie, quand je dors, quand Dieu me parle, par le manteau de Dieu qui est sur moi, je proclame, je vous bénis. Au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, quand je m'agenouille, je vois Dieu. Dieu apparaît, il me parle. Dieu manifestera sa gloire. Je te bénis par l'alliance que je porte. Quand on a fini, je lui ai demandé que mon fils, tu as quelle alliance? Tu as quel manteau? Et si vous réfléchissez même parfois, tu arrives, on te donne la parole devant des milliers de personnes. C'est ton manteau qui les a rassemblés. Si tu avais le manteau, tu n'aurais pas besoin de venir là, être sous un père. C'est pour cela que le principe du manteau, beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu ne le respectent pas aujourd'hui. Il faut faire attention. Il y a ce qu'on appelle le principe du manteau, la loi du manteau. Tu ne peux pas prendre le manteau de ton père et le porter sur ton manteau. Non. La Bible dit qu'Élisée, lorsqu'il a hérité d'Élie, avant d'oser mettre sur lui le manteau de son père, il a déchiré d'abord son manteau. Il a déchiré son manteau et c'est là qu'il a mis le manteau de son père. Un fils qui critique son père est un déloyal. C'est un membre de la sixième colonne. Écoutez, hein, il y a des choses que dans le ministère, il ne faut pas tolérer. Si vous avez un fils et votre fils vous critique en public ou en privé et que ça arrive dans vos oreilles et que vous rendiez compte que c'est vrai, vous investiguez et que c'est vrai, chassez-le de l'église. C'est un danger. Il ne mérite pas d'être un fils. Chassez-le. Qu'il aille chercher le père. Comme ils ont beaucoup de pères dehors maintenant, ils ont l'embarras de choix parmi les pères. Qu'ils partent. On ne peut pas marcher avec les déloyaux, mes amis. Parce que ne pas déchirer son manteau, c'est l'orgueil. C'est ça, l'esprit de critiquer le père. De juger toujours le père. De calomnier le père. Comment tu peux parler mal de ton père? Élisée n'a pas osé mettre sur lui le manteau de son père, sans avoir eu à déchirer d'abord son manteau. Mais on a des gars dans cette génération, des bandits, des grands chemins spirituels et ministériels, qui ont des costumes, des costards sur eux, et veulent encore mettre le manteau du père sur eux. Il faut faire attention. D'autres ont même le cabas. Ils ont le cabas sur eux, ils veulent mettre sur leur cabas là, le manteau de leur père. Parfois, ça n'entre même pas sa chair, parce qu'ils ont déjà tellement de boubous sur eux, tellement de vêtements. Tu ne viens pas, si tu connais, demander le mentorat d'un père. Non, pas du tout. Le fils, c'est celui qui n'a rien. Il doit se vider d'abord. Pardon. Il doit se vider. Tu dois te vider de ce que tu penses être une connaissance. Tu dois te vider de ce que tu penses avoir connu d'expérience et tout cela. Tu te sépares de ça. Tu reviens à zéro.
et tu laisses ton père t'enseigner les béabas jusqu'à t'apporter les priakis, les prérequis dont tu as besoin. Mais un fils qui a déjà son habit, son père va encore lui apporter quoi? Il va critiquer le manteau, il va dire à le manteau si ça sent. Donc tu dois déchirer le vêtement de l'orgueil. Tu dois détruire le vêtement de la mégalomanie en toi. Et revêtir l'humilité. Revêtir l'humilité. Quelqu'un qui n'est pas humble, un enfant, quand tu ne peux pas gronder et demande pardon, papa, même s'il a tort ou raison, il faut le chasser. C'est un traître. Il faut le chasser. Ce n'est pas un enfant là-bas. C'est ton collègue. C'est ton coépoux. Donc tu ne peux pas faire de ministère avec tes coépoux. Non, il faut les mettre de côté. C'est des collègues, ce n'est pas des fils. Un fils, quand tu lui fais des reproches, il s'humilie parce qu'il apprend. Il est humble. Il écoute son père. Quand son père parle, il demande pardon, papa. Pardon, papa. Pardon, papa. Il est toujours humble. Il veut apprendre. Il écoute les reproches parce que c'est les reproches qui font grandir. Mais un fils que tu reproches et il se fâche, il faut le chasser. Je ne dis pas qu'il faut l'excommunier ou bien le mettre sous discipline. Il faut le chasser de l'église. Tu le chasses. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui peut être utile demain. C'est un danger. C'est une bombe à retardement. Donc ça, c'est important. Et donc, Géasi, il va suivre. Dans la loi de l'esprit de Géasi, c'est donc ça. L'esprit du bien matériel. Parfois, tu vas voir ton père spirituel. Aujourd'hui, il a quand même une voiture. Toi, tu n'as même pas encore cru. Même ta conversion n'est pas encore authentique. Il y a des organes qui ne sont pas encore nés de nouveau en toi. Peut-être ton cœur n'est pas né de nouveau. Mais c'est ton poumon, même si on regarde, même ça, c'est 50% que ton poumon est né de nouveau. Si on va même un peu plus loin, là, ton pancréas même n'est même pas né de nouveau. Ton cœur n'est même pas à Christ. Ta conversion n'est pas sincère. Tu ne connais même pas Dieu. Mais tu commences à critiquer ton père parce qu'il roule dans une belle voiture. Pourquoi il roule dans la belle voiture? C'est les offrandes de l'église. Toi-même, tu donnes combien d'offrandes? Le genre d'enfant, là, même quand vous regardez, ils ne payent pas leurs dîmes, ils ne donnent pas les offrandes. Non. Non, mes amis. Si tu as un enfant qui est un pasteur, qui est un homme de Dieu dans ton église, tu demandes à l'église. Moi, j'ai mis des gens de côté dans le ministère comme ça. Je les ai mis de côté, en fait. Pourquoi? Parce que comment vous pouvez imaginer et expliquer que dans une église, tu donnes un enfant, l'église, tu donnes la responsabilité d'une église qui détient des milliers de personnes. Et tu demandes aux gens d'apporter des mouchoirs, de venir à l'église avec des mouchoirs. Tu demandes aux gens de venir à l'église avec des mouchoirs. Toute l'église vient avec le mouchoir, sauf ton fils, sauf tes enfants. Mon ami, enlève-les comme pasteur dans ton église. C'est un message fort qu'il te passe. Il ne croit pas en toi. Or, tu ne peux pas donner à quelqu'un la responsabilité de gérer un troupeau qui croit en toi lorsque la personne ne croit pas en toi. Ton fils doit croire en toi plus que le troupeau. Il doit être un défenseur de la vision que Dieu t'a donnée. Mais si ton fils, tu donnes des injonctions prophétiques, tes leaders ne font pas ce que tu as demandé. Mets-les de côté, ne réfléchis pas. Sauve le troupeau. Sinon, un jour, je te dis la vérité, il risque de te faire un coup d'état. Et ça peut marcher, ça peut réussir. Il faut faire attention. Si Jésus avait chassé Judas très tôt, il ne serait pas crucifié. Il y a des gens qu'il faut les chasser pour que la crucifixion n'ait pas lieu. Tu ne peux pas. On demande les offrandes. Vous demandez les offrandes familiales. Et puis les gens viennent. Chacun vient avec l'offrande de famille, sauf tes leaders. Non, mais attention, c'est des gens qui ne croient pas en toi. Tu ne peux rien bâtir avec eux. Non, vous ne pouvez pas aller loin dans le ministère avec des gens qui ne croient pas en votre ministère. Et quelqu'un n'a pas besoin de vous dire, je ne crois pas en toi. Non, il y a des actions qui prouvent. Vous êtes en train de prêcher, vous rendez ministère. Vous rendez ministère. Vous prêchez, vous prêchez. Il y a un enfant, un de vos leaders, qui est toujours sur son téléphone. Ou bien sur sa tablette, il est toujours là sur sa tablette. Tout le monde dit Amen. Les gens se lèvent et disent Amen. Sauf lui, il est toujours assis. Mon ami, tu l'as déjà perdu, il n'est pas avec toi. La déloyauté, ce n'est pas seulement ouvrir la bouche et dire je suis déloyal. Non, cet homme-là, cette femme-là ne croit pas en toi. Non, il faut chasser la personne. Ou tu l'enlèves des leaders, enlève-la parmi les leaders, qu'elle aille s'asseoir dans le peuple. Ose faire ça, tu verras, la personne va quitter l'église. Vous ne pouvez pas être orgueilleux et en même temps dire vous êtes des fils. L'orgueil a amené à la destruction beaucoup de jeunes gens. Tu n'as même pas encore commencé le ministère. Tu ne connais rien du ministère. Tu n'as
pas encore une expérience ministérielle. Les grandes batailles du ministère, tu ne les as pas encore connues. Les grandes montagnes, les monts du ministère affrontés, tu ne les as pas encore affrontés. Et tu es orgueilleux, tu veux être orgueilleux, plus qu'une personne qui a fait 30 ans de marche avec Dieu, 40 ans de marche avec Dieu, 25 ans de marche avec Dieu, pendant que toi tu n'es qu'un embryon. Et puis tu veux te fâcher que non, il a construit, il a la maison, il porte les costumes. Tu voulais qu'il porte les gandoras. Tu sais combien d'années Dieu l'a éprouvé? Toi, tu as été éprouvé en quoi devant Dieu? Peux-tu supporter les épreuves par lesquelles le Seigneur l'a amené avant que l'Éternel le console? Le console ton père et ta mère aujourd'hui, tel que tu les vois. Tu sais par où ils sont passés? Tu connais combien ils ont enduré la famine, la faim, la disette, la pauvreté, la maladie, l'abandon, les calomnies, les grandes batailles de l'Éternel, comme il est dit dans un adage en hébreu, « Naftule Elohim niftalti, j'ai combattu les guerres d'Elohim. » Toi, tu as combattu les guerres d'Elohim où et quand? Et tu en veux à quelqu'un à qui Dieu est en train de donner une récompense. Il dit, si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Il a persévéré en train de régner. Toi, tu n'as pas persévéré. Aucun esprit de persévérance, tu veux régner. C'est que le règne que tu veux, la partie persévérance, apparemment, toi, ça ne te concerne pas. Tu veux tout simplement régner. Mon ami, nous avons jeûné jusqu'à cracher le sang. On a jeûné, cracher le sang. On a jeûné, jeûné des mois et des mois. On jeûne, on jeûne, on jeûne. Toi, tu n'as jamais fait un jeûne sacrificiel. Et tu veux juste avoir la grâce qu'on a. J'étais en train de causer avec un homme de Dieu aujourd'hui, avec un frère. Et puis, on était en train de faire le bilan de l'œuvre de Dieu en Afrique et surtout au Cameroun. Et on s'est rendu compte d'une chose, mes amis. Dans tout le Cameroun, je répète encore, dans tous les Camerounais, il n'y a que deux hommes de Dieu. Deux hommes de Dieu qui quittent le Cameroun, parmi lesquels moi, qui quittent le Cameroun pour venir en Europe, organiser des programmes, financer les programmes, organiser des campagnes, financer cela par la grâce du Seigneur Jésus. Et je lui ai dit, sans être invité par quelqu'un d'autre, et c'est lui qui me répond donc, que même ceux qu'on invite, ils sont combien au Cameroun, qu'on invite en Europe, qui vont prêcher régulièrement en Europe. On en a, mais combien d'hommes de Dieu, dans toute une nation, du côté francophone, on n'est que deux. On n'est que deux dans toute une nation. Maintenant, quelqu'un va venir, il va dire non, oh, moi aussi je vais aller organiser un programme en Europe et tout ça, je vais faire cela. Mes amis, c'est qu'on a porté la croix pendant des années. On a pleuré. On a passé des nuits blanches à pleurer. On a été persécuté, séquestré, insulté, moqué, raillé dans nos familles, rejeté, maudit même, pas le monde de la famille, abandonné de tout le monde. J'ai dormi dans des marchés, mais avec Jésus. J'ai mangé dans des poubelles, mais avec le nom de Jésus-Christ. Je l'ai fait, sans jamais pleurer ou regretter que non, pourquoi, etc. On m'a abandonné, rejeté, partout, incompris de tous, condamné, malade, personne ne m'aide. Malade, abandonné, l'église m'abandonne, je suis là, je pleure, je crache le sang. Les gens voient les francs en Christ, personne ne fait rien, personne ne me donne 5 francs qui va à l'église, jamais de la vie. Personne ne m'a jamais donné 5 francs. Depuis que j'étais enfant de Dieu là, dès ma jeunesse, personne, je suis à l'église, je pleure, des douleurs, personne ne me donne 5 francs. Donc c'était le genre que si Dieu n'était pas avec moi, je serais mort. Mais aujourd'hui, quelqu'un va voir les choses que le Seigneur fait à travers moi, tu connais que je viens d'où, tu sais que je sors d'où, tu peux porter mon fardeau. Et j'ai dit souvent que parmi les hommes de Dieu au Cameroun, je fais partie des hommes de Dieu que Dieu a le plus éprouvé. C'est-à-dire que ma part, mon histoire est compliquée. Personne n'aimerait cette histoire. Donc si quelqu'un dit non, je veux la gloire, je veux réussir, je veux la renommée, je ne cherche pas la renommée, je ne cherche pas la gloire. Ça, Dieu me témoigne. Je n'ai jamais cherché la gloire ou la renommée ou bien la richesse ou non. Ce que je cherche, c'est d'être où Dieu veut que je sois. Je n'ai jamais prié. Oh Dieu, fais de moi le plus grand homme de Dieu. Fais de moi, Seigneur, le numéro 1. Fais de moi la tête parmi tes serviteurs. Je n'ai jamais fait ça. Ma prière tous les jours, brise-moi, Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi à être l'homme que tu veux que tu sois. Seigneur, délivre-moi de moi-même. Fais de moi un instrument de bénédiction pour mes frères et sœurs. C'est ça, en fait, ma préoccupation. C'est ce que je voudrais. Je voudrais la vie éternelle. Je veux finir bien et aller au ciel. Je veux le ciel. Seigneur, si après toutes ces choses, je n'ai pas la vie éternelle, je n'en ai pas dans ton royaume, c'est que je suis foutu. C'est que tout ce sacrifice-là, ça ne sert à rien, en fait. Et donc, bien-aimé, et toi, tu vas sortir de nulle part, là. Toi, tu n'as jamais abandonné quoi que ce soit. Le moindre sacrifice, tu n'as jamais fait ça pour Christ.
Mais tu veux juste être grand, tu veux aussi les voitures, tu vas dire, ah non, le prophète Kané, il voyage en business. Tu voulais qu'il voyage en quoi? Ou qu'il roule dans de grosses voitures, tu voulais que je roule avec l'âne. Hein? Il faut faire attention, mes amis. Donc, avant de convoiter, considérez la souffrance que nous avons endurée, mes amis. Considérez les épreuves que Dieu nous a fait, les fardeaux lourds qui nous ont même écrasés parfois. Parfois, des moments où on a senti même, on s'est demandé, mais est-ce que Dieu a même pitié de nous? Est-ce que Dieu est vraiment bon comme il le dit? Mais le Seigneur nous a soutenus. Le Seigneur nous a aidés. On a traversé les épreuves en 2021. Lorsque la maman de Dieu m'a retourné au Seigneur, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Normalement, même, c'est des choses qui, ça vous emporte. Ça vous apporte. Vous mourrez. Vous abandonnez Christ. Vous dites, ah, donc c'est ça. Vous croyez en Dieu. Vous donnez tout pour le Seigneur. Vous êtes dans le ministère à fond. Vous y êtes à fond, à fond, à fond. Votre épouse, elle est malade d'une maladie que tout le monde qui est dans votre église a eu, que ceux dans votre église qui ont eu, vous avez prié pour eux. Le cancer est parti. Et ces mamans sont vivantes encore aujourd'hui. Des mamans qui étaient en phase terminale de cancer, elles sont vivantes et Dieu m'en est témoin. Elles sont vivantes encore aujourd'hui. Mais vous priez sur celle qui est votre épouse, elle meurt. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire, mes amis. Vous ne pouvez pas imaginer le choc que ça vous crée, que ça crée en vous. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Et Dieu pouvait dire que, comme j'ai guéri les brebis, je vais aussi guérir la mère. Mais il ne l'a pas fait pourquoi? Pourquoi il ne l'a pas fait? Dieu m'a humilié, mes amis. Dieu m'a humilié. Il m'a humilié en public. Dieu m'a humilié. Il m'a livré en pâture. Il m'a livré en pâture. Et j'étais tristement, célèbrement connu. Et les gens ont raconté que j'ai vendu. Fait mon épouse, que je l'ai sacrifié dans la sorcellerie. Que je l'ai, je l'ai vendu, que j'ai l'onction, que j'ai la puissance. Et où? Ça venait des hommes de Dieu, ça venait des frères et des sœurs dans l'église, mes amis. Pourquoi Dieu m'a-t-il fait vivre ça? Pourquoi, mes amis? Pourquoi? Pourquoi? Dieu pouvait juste l'épargner, ça ne serait pas arrivé, ou bien la guérir. Et ce serait sa gloire, on serait content, on rendait témoignage, et tout cela, et tout cela. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que ce soit comme ça? Parce que c'est mon destin, c'est mon chemin. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, employant les moyens qui lui plaisent. Et nul ne peut lui demander, que fais-tu? Car éternel Dieu des armées, son nom, il est le souverain d'Israël. Il est le potier, et je suis le pot. Il fait de moi ce qu'il veut. Maintenant encore, il peut me décider encore, me briser comme il veut. Je suis à sa merci et j'ai compris cela. J'ai compris qu'il y a ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Quand vous atteignez ce domaine dans votre vie de consécration, vous atteignez, vous arrivez dans la cour de la souveraineté de Dieu, tout peut vous arriver. Dieu peut tout vous faire pour tirer gloire de ces situations-là. Bon, mais quelqu'un viendra donc aujourd'hui, va dire non, ah, mon père m'a chassé, mon père m'a dit, tu choisis entre l'islam et le christianisme. Beaucoup auraient choisi l'islam. Rester où ils sont nés. Pourquoi? À cause de la gloire qu'il y avait, mes amis. Mon père était riche. J'étais bien, j'ai fréquenté dans le meilleur collège, le plus cher, le Colpro, à l'époque. Sincèrement, j'étais bien à la maison. Je n'avais jamais lavé les habits ou lavé le sol. Les gens faisaient tout pour moi. Et mes vêtements venaient de prêt-à-porter. À l'époque, il y avait une marque qu'on appelait Carrera. J'étais parmi les rares enfants. Un jour, j'étais tellement bien habillé que la femme du préfet m'a arrêté pour demander. J'ai dit, ta mère s'appelle comment? J'ai dit le nom. Et m'a demandé qu'elle vient du ciel ou quoi? Pourquoi est-ce qu'elle a l'argent pour t'habiller comme ça? Et puis vous voyez cette opulence-là, dans cette richesse, comme Moïse, j'ai renoncé à la gloire de la maison de mon père. J'ai choisi être misérable pour Christ. Lorsque mon père m'a dit, j'ai choisi entre Christ et Mohammed, je lui ai dit, papa, vis éternellement, j'ai choisi Jésus. Il m'a dit, va. Je suis quitté de l'abondance, l'opulence, de la richesse, à la pauvreté extrême, mes amis. J'ai commencé à aller en brousse, fendre les bois pour payer ma pension à l'école. Et Dieu m'est témoin. Ce que j'ai dit, je ne mens point. Ma mère m'a payé l'école de la CIL jusqu'en sixième. Mon père, il m'a payé juste la cinquième. De cinquième, de quatrième jusqu'à l'université, c'est moi qui ai payé ma pension. Je parle à la jeunesse paresseuse, à la jeunesse sans ambition, à la jeunesse dépendante, qui veut dépendre des gens. Comme les guis sauvages. Je me suis battu.
Mais mon ami, tu as abandonné ton père, la maison de ton père, la richesse, l'opulence, la gloire, l'honneur, le respect. Pour suivre Jésus, normalement, je devais devenir riche. Dieu devait me faire aller de gloire en gloire. Je devais avoir plus que ce que mon père m'avait promis, m'avait donné et tout cela. Mais je suis allé plutôt, j'ai sombré plutôt. Je suis allé dans la pauvreté. J'allais en brousse fendre le bois sec, l'embrousse là. Et vous savez qu'au nord, là, il y a tellement de scorpions. Donc je frappais les écorces. J'ai tapé les écorces d'arbres comme ça. J'avais 16 ans. Un jeune homme de 16 ans. Je frappais. J'avais 30 ans aujourd'hui. L'histoire qu'il raconte. Je frappais sur les écorces de l'arbre comme ça. Les scorpions se déversaient par terre. Je les chassais. Et je grimpais l'arbre. Et puis je coupais les branches de branches. Et je prends mes branches d'arbre là. Je vais avec le bois là au marché. Je m'assois. Je dis le bois, bon bois de chauffage. Venez me tromper. Venez nombreux, etc. etc. Et c'est comme ça que je vendais, et puis je payais ma pension. Je souffrais, mes amis. Parfois, manger, je passais, ah, ça va. Mais dans tous les cas, dans toutes ces choses-là, je n'ai pas renoncé à Christ. Donc, il ne faut pas juste venir voir, regarder aujourd'hui, et dire, non, cet homme de Dieu, il s'habille. Oh, cet homme de Dieu, il a la voiture. Je ne suis pas né avec la voiture. J'ai servi Dieu pendant des années et des années, pendant au moins 20 ans. J'ai marché à pied pendant 20 ans. J'ai pas eu qu'on me donne comme ça l'argent entre mes mains. Que ça, c'est peut-être 25 000 francs pour toi pendant 20 ans de service de Dieu. Que j'ai jamais touché. Quand je dis que ça, c'est 25 000, ça, c'est pour toi en 20 ans. En 20 ans, j'ai marché nu. Tu portes le caleçon se déchire. C'est-à-dire le caleçon en toi, sous toi, ou dans toi, ou dans le pantalon. Le caleçon ne retient plus rien. Le caleçon, tu passes la jupe. C'est devenu le partari. Tu ne connais pas ce que c'est. Ou le jupon. Mais dans tous les cas, tu sais que tu as un caleçon, mais qu'il est différent des autres. Mais tout en servant le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai jamais murmuré contre Dieu. Pourquoi je suis pauvre comme ça? Pourquoi je suis misérable comme ça? Qu'est-ce que tu peux supporter pour le témoignage de Christ? Non, sincèrement. Qu'est-ce que tu as déjà supporté? Tu viens à Jésus, tu es une jeune femme. Tu menais une mauvaise vie avant. Tu viens à Jésus. Pour peu que Dieu te prouve, il te prouve même, il te teste seulement un peu avec la faim. Tu n'as plus l'argent pour te mettre comme avant, pour t'habiller bien, pour manger ce que tu veux. Immédiatement, tu retournes dans ta mauvaise vie. Et vous voulez insulter les hommes de Dieu, vous voulez insulter les pères. Il faut faire attention, mes amis. Donc, il faut que les fils de cette génération comprennent. Un père est sacré. Ton père est sacré. La Bible dit que maudit soit celui qui maudit son père. Maudit soit celui qui maudit sa mère. Maudit soit celui qui demande à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Quand tu t'attaques à ton père, mon ami, tu t'attaques à ta propre vie. On ne s'attaque pas à un père. Au contraire, tu dois aimer ton père. Ton père n'est pas parfait. Voici l'histoire de... Ton père n'est pas parfait comme toi, mais tu n'es pas parfait. Hein? En commençant, il faut que les gens comprennent cela. Voici l'histoire des fils, Sem, Cham et Japhet. Des fils de Noé. Lorsque son fils, l'un de ses fils est venu, il a trouvé son père. Il avait bu et s'était découvert au milieu de la tente. Il était tout nu, il était sans caleçon. Il a vu, il allait raconter aux autres la nudité de leur père. Et quand ils sont arrivés, eux, ils marchaient à reculons. Ils ont refusé de voir la nudité de leur père. Mais l'autre, il a vu et il allait raconter. Il y a deux types de fils. Il y a des fils qui voient la nudité de leur père et prient pour leur père. Il y en a qui voient la nudité du père, c'est sur Facebook. D'autres voici couvrent ça. Ils aident leur papa à sortir de son ivresse. Ils aident leur papa de sortir son égarement. Parce qu'un fils peut aussi ramener son père à la raison par l'amour. Comme le père doit aussi ramener son fils à la raison par l'amour. C'est une sorte de symbiose en fait. Un peu comme entre l'algue et la fougère. Il faut que les gens comprennent cela, mes amis. Donc beaucoup de fils de prophètes ne réussissent pas dans le ministère. Ils vont ouvrir les églises, ça devient rien. On n'entend plus parler d'eux. Pourquoi? Les motivations sont mauvaises et les fondements sont mauvais. Tu dois aimer ton père. Un fils, pour finir, un fils qui ne peut pas s'identifier à vous en public n'est pas votre fils. Un fils qui ne peut pas en public dire mon père, c'est le prophète Carlo Ferdinand, ou mon père, c'est tel. Mon ami, ce n'est pas un fils. Un fils que tu convoques, il ne vient jamais, ce n'est pas un fils. Et un fils dont tu n'as jamais vu l'offrande de son ministère, ce n'est pas un fils. Ce n'est pas ton fils. Peut-être c'est ton neveu. Ou ton petit cousin, mais ce n'est pas ton fils, c'est tout sauf ton fils. Parce qu'un fils, il sait que les prières de son père le couvrent. Et puisqu'il est appelé au ministère, il fera manger des fruits de récolte de son ministère à son père.
Un enfant qui ne nourrit pas son père n'est pas un enfant. Des fois, on va penser que la paternité, parce que les fils aujourd'hui, pour eux, c'est le père qui donne, c'est le père qui donne, le père qui donne, le père qui doit prier, qui donne des conseils, etc. Mais ils ne comprennent pas que le fils doit aussi donner au père. Le fils a quelque chose à donner. Si tu es mon fils et tu as une église, tu as un ministère, et que tu ne, je n'ai jamais vu l'offrande de ton ministère, tu n'es pas mon fils. Il faut que tu l'apprennes aujourd'hui. En fait, tu étais mon neveu. En fait, même pas mon neveu, mon petit-neveu. Tu n'étais pas mon fils. Moi aussi, j'ai un père spirituel. Et Dieu m'est témoin. Je ne mens point. Le Saint-Esprit m'en rend témoignage. Je ne suis jamais allé rencontrer mon père spirituel les mains vides. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je ne suis jamais allé le rencontrer les mains vides. Je ne sais pas si je suis allé là-bas avec moins d'un million pour une offrande, pour l'offrande. Je n'ai jamais, je ne suis jamais allé chez lui les mains vides. Avant d'aller chez mon père, je m'arrange toujours à laisser une offrande et je mets à genoux, il me bénit. Vous venez, vous êtes fils. 10 fois tu viens, 10 fois tu viens les mains vides. Tu veux quelle bénédiction? Un fils doit s'aimer dans la vie de son père, dans l'offrande à son père. Si tu es vraiment un fils, ton ministère là, tu ne manges pas seulement le fruit là seul. Ton père doit aussi manger. Quelqu'un va prier sur toi sans rien recevoir de toi. Non, en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comme c'est quel genre de fils qu'on a qui viennent. Et tu seras béni comment? Puisque la Bible dit, Didomi, Kadidosestai, Omin, donnez et il vous sera donné. Ton propre père n'a jamais goûté 5 francs de ton ministère. C'est son fils en quoi? Tu n'es pas son fils, mon ami. Même neveu, là, on va réfléchir bien sur ça, sur ton statut. Donc voilà, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'est pour cela que, voilà, c'est pour cela que beaucoup d'entre vous, vous ne réussissez donc pas. Vous ne ferez jamais ce que nous on fait. Parce que vos cœurs sont différents de nos cœurs. Vos cœurs ne sont pas sincères. Vos cœurs ne sont pas entiers. Vos cœurs ne sont pas entiers, ils ne sont pas vrais. Vous ne respectez pas les principes du ministère. Un enfant qui ne respecte pas son père ne sera pas respecté. Un enfant qui n'honore pas son père ne sera pas honoré. Les enfants sages, quand ils viennent voir son père, il y a une offrande qui garde toujours. Toujours. L'offrande de connexion, toujours devant son père. Papa, voici ceci. Voilà, c'est en cela. Mais là, quand ton père reçoit, tu as semé sur une terre fertile, Dieu va multiplier ça dans ta vie. Et tu verras. Donc, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je prie pour tous les fils. Ça me fait mal de voir que parmi nos jeunes fils, personne n'est en train de percer vraiment. À l'heure où on est, avec les années qui sont déjà passées, même dans la garnison des prophètes, je devais déjà avoir des fils là parmi mes fils qui vont, au moins en Afrique déjà, organiser des campagnes dans les pays africains. Nous, ça ne nous a pas pris autant de temps en fait. Qui vont dans les pays africains déjà pour rendre ministère là-bas, organiser des grandes des campagnes, être connectés sur le satellite. Mais quand je vois les résultats là, mes amis, ça me fait mal. Dans tous les cas, Dieu nous aidera. Revenez encore. Et je vais finir avec une chose très importante et capitalissime. Ne bâtis jamais ton ministère avec les ennemis de ton père. Ne bâtis jamais ton ministère avec la 6e colonne. Ne bâtis jamais ton ministère avec les rebelles à ton père. Avec ceux qui jadis et naguère ont calomnié ton père, ont insulté ton père ou ont conspiré contre ton père. Ne bâtis jamais ton ministère avec les brebis du pâturage de ton père. Ne faites jamais ça. C'est une erreur. Dès que vous commencez comme ça, vous avez mal commencé, mais ça, vous avez raté le décollage. L'atterrissage sera raté. Je répète, quand tu quittes un père pour aller faire ton église, ne prends pas les gens de son église. Ne prends pas ça. Je dis la vérité et je vous mets à défi. Je mets quiconque à défi. Si ton ministère réussit en prenant les rebelles, ceux qui ont maudit ton père, en prenant ceux qui mal parlent de ton père, qui t'ont dit que toi-même tu es plus que lui-même, tu es plus loin que lui, il est même quoi? Tu penses qu'il est qui même? Non, viens, allons, on va t'accompagner, on va te soutenir. Si ton ministère réussit, c'est que je ne suis pas prophète. C'est que je ne suis pas un prophète. C'est que je suis un ludique. Sincèrement, un enfant sage, quand il quitte son père, et un, il quitte dans la paix. Deux, il ne prend pas une seule brebis de son père. Si les gens viennent, il leur dit, allez demander à papa. S'il vous accorde de venir dans mon église, vous venez. Mais s'il n'accorde pas, je ne peux pas toucher à son troupeau. Parce que il y a ce qu'on appelle la loi de l'épée dans le ministère que le Seigneur Jésus nous a donné. Il dit, celui qui tira par l'épée sera tué.
loi de l'épée. Celui qui tira par l'épée sera tué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu détruis le troupeau de ton père, tu mets le désordre dans le troupeau de ton père, par le fait de ton troupeau, quelqu'un sera suscité parmi ceux qui sont avec toi pour détruire aussi ton troupeau, parce qu'il est écrit, il te sera fait comme tu as fait. Il te sera fait comme tu as fait. Quand tu quittes ton père, un, quitte dans la paix. Deux, ne touche à aucune de ses brebis. Va faire ton ministère tranquillement dans ton coin et Dieu sera avec toi. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Et ne pas faire ton ministère avec le nom de ton père. Ne fais jamais ton ministère avec le nom de ton père. Ne pas avec le nom de ton père. Insulter, calomnier, médire, parler de ton père en mal. Ne fais pas ça. Si tu fais ça, tu as mal commencé. Le décollage est raté. Et donc, l'atterrissage sera catastrophique aussi. Si tu as quelque chose contre ton père, va et parle à ton père. Dis, papa, il y a tes choses qui me dérangent, tout ça. Ne va jamais faire une émission contre ton père. Il faut savoir que dans la guerre des fils et des pères, un fils ne remportera jamais de guerre contre son père, même s'il a raison. À partir du moment où tu as déclaré dans la guerre, tu as perdu. Parce que même si ton père a tort, tu dois aller avec respect lui dire. Mais si tu déclares une guerre, un armageddon, tu vas perdre. Pourquoi? Parce que tu viens d'enfreindre une loi ministérielle. Tu ne dois jamais combattre celui qui, un jour, a été une bénédiction pour toi, t'a imposé les mains ou t'a donné un seul moindre conseil pour ta vie et pour ton ministère. Une guerre que tu ne remporteras jamais. Dans la Bible, tous les fils qui se sont révoltés contre leurs parents ont perdu la guerre. Saül contre Samuel, il a perdu la royauté. Absalom contre David, il a perdu la royauté. Donc vous allez vous rendre compte, vous multipliez les exemples. Corée, Dathan, Abiram contre Moïse et Aaron, ils ont perdu, la terre les a avalés. Géasi s'est soulevé contre son père, la lèpre l'a frappé. Donc il n'y a aucun fils dans la Bible qui s'est soulevé contre son père et qui s'en est sorti. C'est la mort qui arrive à la fin. Donc faites attention, soyez sages, soyez humbles. Ne bâtissez pas votre ministère avec le sang de votre père. Ne bâtis pas ton ministère avec le sang de ton père. Ne pense pas qu'en détruisant ton père, tu vas donc ramener les brebis à toi. En le calomniant, en le salissant dans son église, tu pourras détourner les gens pour faire ton église avec. Tu as mal commencé, tu n'arriveras pas. Tu n'as même pas encore décollé. Donc que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Et il faut dire, méfiez-vous des faux comptes en mon nom. Il y a tellement de faux comptes en mon nom. Mais si les gens vous écrivent, ma page ici, elle a 280 000 abonnés. On a 280 000 abonnés. Faites attention, mes amis. On a 280 000 abonnés. Et que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Vendredi, le 2 février, nous avons la nuit de la turbulence prophétique à Villabé. 20 avenue de Courtes et Plus, 91-100 Villabé, dans la salle Lune d'Or. À partir de 21h, si tu aimes Dieu, tu seras là. On ne va pas te supplier, essayer de te convaincre, quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu te parle, tu seras là. Si tu aimes Dieu, tu seras présent. Que Dieu te bénisse. Dans la nuit de prière, elle sera puissante. Viens avec toute ta famille. Et dimanche, la première consécration des familles à Dieu, tu devrais être là. C'est une fête à l'Éternel. On va célébrer le Seigneur, on va se réjouir dans sa présence. Ça sera à partir de 10h, toujours dans la Lune d'Or. La salle appelée Lune d'Or, 20 avenue des Courtes et Plus, 1100, Villabé. Donc Dieu se manifestera puissamment. Que Dieu vous bénisse. Et que cette année soit bénie pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit. Bye.